Rebel Wilson fait partie de ces célébrités qui commencent bien l'année 2021. L'actrice de 40 ans a en effet perdu 30 kilos au cours des derniers mois. Très fière de sa transformation physique, celle que l'on a vue à l'affiche du film Le Coup du Siècle, avec Anne Hathaway, a dévoilé sur son compte Instagram, ce vendredi 29 janvier, une photo d'elle. Sur cette dernière, elle apparaît resplendissante, vêtue d'une robe noire ceinturée et signée Prada. En plein tournage pour le concours de télé-réalité de toilettage de chien Posh Perfect, qu'elle anime, Rebel Wilson a également opté pour une toute nouvelle couleur capillaire, rose, appliquée sur la pointe de ses cheveux blonds. C'est en novembre dernier que la comédienne a annoncé, en story Instagram, qu'elle avait enfin atteint le poids de ses rêves, à savoir 75 kilos. Avec enthousiasme, elle expliquait à ses fans avoir atteint son objectif avec un mois d'avance. Très heureuse, elle reconnaissait qu'il ne s'agissait que d'un chiffre et que son intention était, avant tout, d'être en bonne santé. Un régime alcalin qui fait ses preuves en mars dernier, Rebel Wilson a fait allusion, sur le réseau social, à la méthode Viva Mayer qu'elle a suivie, pour perdre du poids. Il s'agit d'un régime qui implique un suivi médical et qui propose aux motivés de séjourner dans le sud de l'Autriche. Onéreux, le programme commence par quelques jours de jeûne, accompagné d'une cure de vitamines. Il se concentre également sur la réduction de sucre et sur le régime alcalin. Celui-ci consiste à manger des fruits, des légumes, des racines et tubercules frais, des noix et des légumineuses. La consommation de viande et de produits laitiers est très réduite.